policier ça qui c'est lui Willor, policier agent USGPN bandit lourdement armé kidnappé hier dimanche matin bonnet na matin côté yo kidnappé monsieur à niveau Matissan selon information yo mais lui Willor, policier ça qui dans unité USGPN li était fait partie 19e promotion la police non monsieur habité Carrefour c'est là exactement et sur route Matissan pour mener Carrefour pour mener dans Port-au-Prince et mais c'est là bandit kidnappé monsieur hier matin dimanche dans bien bonnet matin à niveau Matissan nèg avec gros âme nan men yo. L'autre information toujours nous pral garder causer et ka kidnapping nous songer ça fait plus passer une semaine depuis nous t'ai information ça deux frères ça qui t'a sorti Tigoua avant bandit kidnappé dans commune Gressier et bien Hudson nous dit samedi qui était 4 septembre dernier bandit t'est enlevé dans commune Gressier deux frères dans qui t'a sorti Tigoua avant pour te rendre dans Port-au-Prince yon a tous les frères ça au puis grand monsieur relé Hudson Fulgens et petit frère relé Vernon Fulgens mais les bandits ont kidnappé monsieur ça ont demandé $800,000 américains pour être capable de libérer monsieur ça selon sa proche famille lui-même était fait connait après 8 jours yo passé dans mes ravisseyo nous apprendre samedi qu'il est même été 11 septembre là ben yo libéré grand frère n'a parlé de Hudson Fulgens yo libéré monsieur contre rançon et petit frère qui c'est Vernon Fulgens li poko libéré li toujours dans mes ravisseyo d'après tout élément information je dis à la ka kidnapping yo qui va suspendre augmenter chaque jour qui passe dans société là et c'est parce que chaque couche en de pays même je sais autant sur président Jovenel Moïse mais toute couche commence à refrapper dans question zag kidnapping yo en de pays question sécurité toujours question kidnapping toujours question insécurité c'est divers secteurs qui a fait des propositions pour capable résoudre problème de sécurité ça notamment ka kidnapping yo qui a lissé par longer chaque jour plus gay secteur nous pas complice qui exmettait chargé au gendou façon bandi yo après pied dans société à chaque jour bon Dieu mettez bandi a bay conférence sans cagoule lancer ultimatum et la trice quelques actions qui montrait bandi yo à l'aise dans pays a dans sens sa porte-parole nous pas complice continuer exiger une assistance technique internationale pour venir résoudre problème de sécurité a plutôt challenge à quoi situation ça dépasse PNH là Ricardo Fleudor fait qu'on ait déjà écrit plusieurs institutions internationales pour faire demande ça en côté dans micro Jean-Philippe Massé. Et nous-mêmes, nous n'avons pas compris ce matin, nous réunis là pour nous faire le point sur, premièrement, l'insécurité, nous pensons qu'il dépasse nous, qui prend le level dans le dernier jour, que nous-mêmes, nous ne pouvons pas contrôler, qu'aucun secteur en pays n'a pas contrôlé, aucun secteur politique n'a pas contrôlé, et même la police là a eu fait des cartes, parce que justement, le problème a dépassé la police. De, ça fait depuis environ deux semaines, depuis nous-mêmes, nous n'avons pas compris, nous avons prôné, on s'est assistance technique. Nous avons une assistance technique, ce n'est pas parce que justement nous voulons blancs venir là. Ce n'est pas parce que justement nous avons une volonté pour nous essayer international à plat. C'est parce que le problème nous dépasse. Je dis à l'en regardé le braquage qui a fait. Nous avons regardé le nombre de monde qui a mouru. Nous avons regardé le kidnapping qui prend level, tête chargée. Nous avons regardé l'insécurité à tout. Qui prend l'autre level, non l'autre forme. Parce que l'on empêche les gens de jouer gaz, de mettre dans la moto, de mettre dans la machine, de faire l'occupation, sont formes d'insécurité. Et l'on demande aux autorités qui ça cause l'insécurité ça à prendre pied comme ça dans le pays. Et c'est parce que justement, côté pour gaz, il y a des groupes gangs qui bataille là, et même monsieur ça a empêché gaz de passer. Mais nous-mêmes, nous avons un pinga avec le ministre là, nous avons dit ce soit chef, ce soit pas chef. Ce soit, comment dire ça, DG la police, ce soit le diriger, ce soit le pas diriger. Même si nous quoi problème dans le dépassé, quel que soit changé DG la police qui l'a, quel que soit changé premier ministre qui l'a, quel que soit changé ou venir avec un nouveau président. Si c'est même au statut, ça, si c'est même police politique n'a pas appliqué depuis des décennies, eh bien, pas chambre le résultat. Parce que police nous est là, population perd confiance là-dedans, police nous est là, il manque professionnalisation, il manque équipement, et police nous est là tout, il y a ramification avec des gangs. Le point d'actualité à la samedi qui était 11 septembre 2021, différents acteurs défilés pour signer accord ça qui relait, accord politique pour un gouvernement, pour une gouvernance apaisée et efficace pendant la période intérimaire, la résidence officielle Premier ministre Lan, dans Delma 60 Musso, Premier ministre Ariel Henry fait connaître de qui m'a acté aussi en préal permettre au gouvernement intérimaire puis bien gérer institution étatique, yo, pendant Ariel Henry souhaité période intérimaire, l'IPALONG. En côté Ariel Henry, public d'État, un ami co-collaborateur, nous, Alex Gauthier. Plusieurs ont souhaité venir signer publiquement devant la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne
l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire et je les félicite pour cela. Après une longue série de consultations et des rencontres avec divers secteurs de la classe politique et de la société civile, nous avons pris en compte des avis et commentaires émis par plusieurs organisations pour produire ce document final. Il servira de guide aux membres du gouvernement et à l'ensemble des forces politiques et sociales pour les mois qui viennent. Cet accord reprend la quasi-totalité des revendications légitimes et des recommandations formulées par divers secteurs de la vie nationale. Certains le trouvent ambitieux et prometteur, mais nous pouvons offrir moins à nos concitoyens qu'ils veulent nous voir engager notre vie sur la voie du changement. J'ai l'assurance que cet accord permettra de conduire dans l'harmonie et la bonne entente des affaires de l'État durant la période intérimaire que je souhaite la plus courte possible, afin d'atteindre notre objectif principal commun qui est un retour à un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques sur des bases nouvelles dans un environnement sûr et stable. Un premier texte avait circulé et beaucoup d'organisations l'avaient déjà signé. Dans le but de rassembler encore plus de concitoyennes et de concitoyens, j'ai accepté les propositions de nos compatriotes ici présents qui visaient à améliorer le texte et à le rendre plus clair. En son conséquence, les ajouts au texte précédent concernent principalement le mode de désignation des membres du conseil électoral provisoire, des membres de l'organe de contrôle et de suivi, ainsi que la procédure à suivre pour aboutir de manière inclusive et participative à un projet de nouvelle constitution qui sera soumis à l'approbation du peuple haïtien à travers une consultation populaire. 5h55. Yon autre côté, Premier ministre Ariel Henry a annoncé l'IPRAL, Chita parlé avec tout l'autre groupe qui tape travail sous commission pour gérer transition dans l'idée pour mettre petit pays à participer dans le changement pays. PM n'a profité à annoncer dans le jour qui a venu là, il a pris toute disposition pour mettre à quoi ça en application de côté Ariel Henry Namikou Alix Gauthier. Dans les prochains jours, les dispositions seront prises pour la mise en œuvre de l'accord, dont les différents organes prévus seront créés, comme je l'ai mentionné à tous mes interlocuteurs. Par le biais du dialogue et de la concertation permanente. D'autres compatriotes ont pris des initiatives et ont formulé des propositions pour la gestion de la période intérimaire. Je les félicite pour leur intérêt pour les affaires publiques. Je vais les rencontrer et discuter avec eux de la possibilité de faire taire nos querelles intestines et rassembler nos énergies pour regarder ensemble dans la même direction, celle de la transformation de notre pays et de notre société. Je ne désespère pas de les convaincre de la nécessité de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens de s'unir pour avoir la force nécessaire pour faire face aux périls qui nous menacent. Je souhaite qu'en nous attaquant au chantier de la reconstruction de nos institutions démocratiques, nous puissions réconcilier la famille haïtienne et trouver les voies et moyens d'une rupture réelle avec les pratiques anciennes. Notre pays a besoin de cette mutation, qui est la condition sine qua non de la relance de notre économie et de notre développement durable. Tout le monde parle de rupture. Eh bien moi, je vous assure que la rupture commence maintenant. Voilà, déclaration Premier ministre payant qui c'est Ariel Henry. Justement, Premier ministre a écrit commission qui a cherché solution haïtienne non sous question ça et puis non à tout permettre que Mounio tendez ça qui dit dans texte bon côté membre commission qui a cherché solution haïtienne dans crise non. J'en ai annoncé là Premier ministre a déjà écrit commission qui a cherché solution haïtienne non pour yon chita parler hier dimanche non. Une invitation commission appréciée mais proposer chef gouvernement mettez invitation pour ce jeudi 16 ou bien 17 septembre qui a venu la bande-garde et qui ça, commission lui-même lui dit non, réponse Albert avec Ariel, avec Premier ministre Ariel Henry. Commission qui a cherché solution, exact solution haïtienne en crise, non. Monsieur Samuel Henry Satu, non, samedi 11 septembre 2021, commission qui a cherché solution haïtienne en crise d'un pays, non, nous a traversé depuis trop longtemps, recevoir lettre qui pa gen date ou voyer pour lui sous couverture, yon email
dans soirée qui était 10 septembre 2021. Pour une rencontre avec Dr. Ariel Henry dimanche qui était 12 septembre 2021 qui donc hier dimanche là. Commission remercie en pile pour invitation si là, les apprécier opportunité ça qui rentrer dans cadre démarche li mené pendant 6 mois pour parler à écouter divers acteurs politiques et organisations société civile en Haïti tant coup dans diaspora. Commission disponible pour rencontrer mais malheureusement délai ou balian pour ça li trois coûte li proposé jeudi 16 ou vendredi 17 dans semaine ça dans les capi bon pour docteur Henry nan Joussayo. Commission a profité rencontre ça pour coûter docteur Ariel Henry ak pour présenter le travail il fait depuis diverses organisations dans plusieurs secteurs te mandatés dans date 5 mars 2021. Genèse ak fondement démarche lan, méthodologie te appliqué, vision avenir paysan, processus lan pote. Ça te permet li rive dans conférence citoyen qui te l'ouvri 17 JA qui ferme 30 août 2021. Date historique si ati accord politique entre divers secteurs société civile lan ak divers partis et regroupements parti politique. Désormais, accord politique 30 d'août qui signe et qui donc prend valeur légale, gain pour mettre plus passé 550 siati ak lot siati qui continue vini kap sorti dans province tant kou dans diaspora. Commission kap cherché une solution haïtienne en crise dans pendant la tande confirmation jou ak lè ou choisi. Présenté ou monsieur Samuel Henry Satune salutation patriotique li. Bam gade kek non rapidement qui signe dans lettre ça, réponse que voye bay premier ministre Ariel Henry. Alors c'est docteur Ariel Henry et hier soir m'ta parlé avec une acteur cap couré commission li bon li dit raison yo pas écrit premier ministre puisque a adressé avec docteur Ariel Henry. Bon là encore c'est n'a gère une tale concernant invité journal là l'a expliqué en détail pour qu'ils ont qui fait pas mentionner PM nan aucun côté dans texte a parlé de docteur Ariel Henry. Mon qui ici en bas lettre réponse à commission c'est gen révérend père France Joseph Cassius église épiscopale d'Haïti gen madame Monique Kleska comité de suivi du forum société civile madame Magali Komodeni collectif artistes engagés gen Myrta Desulmé forum haïtien pour la paix et développement durable et diaspora gen révérend pasteur Jean Kizomer Duré fédération protestante d'Haïti, maître Evans fils fédération barreau d'Haïti gen madame Rose Thérèse Magali Georges collectif syndicat haïtien pour respect constitution Kouchako gen maître Louis Joël Joseph plateforme organisation paysanne 4G contrée gen madame Sabine Maniga plateforme organisation féministe gen monsieur Michel Michel Payan comité suivi forum société civile gen maître Maxime Roni plateforme organisation CN Droit Moun, Monsieur Jacques Tête Syndic, Empereur Ougan Wilfried Saint-Just, Allo Vidaoumé, Communauté Vaudou, mais Moun qui signe comme coordonnatrice commission la Dandouken, Magali Komo Denis. Nous avons toujours été sous dossier signature accord premier ministériel Henri et maître André Michel qui signe accord ça dans nos secteurs démocratiques et populaires qui expliquait accord ça d'après les reflétés ensemble revendication population tant que différents massacres qui fait sous régime PHTK libération prisonniers politiques procès Petro Caribéa procès maître Montfiguier Dorval pour ne citer ça seulement maître André Michel fait connaître raison ça qui fait secteur démocratique là signe accord si là on écouter la propice d'état dans mes collègues. Le secteur démocratique et populaire a pris la décision politique et historique de signer l'accord politique pour une gouvernance apaisée et consensuelle de cette période intérimaire. Cela n'a pas été une décision facile. Et comme vous le savez, le secteur démocratique et populaire a pris naissance dans une dynamique de confrontation et de contestation politique. Et c'est pas chose facile, c'est difficile, c'est compliqué pour un mouvement politique qui a pris
naissance dans cet esprit-là d'accepter de venir signer un accord politique. Le sénateur Carpierre qui m'accompagne pour signer cet accord au nom du secteur démocratique et populaire, avec lui-même, nous pourrons poser un acte historique. Je remercie les milliers de militants, de sympathisants, les cadres et les dirigeants du secteur démocratique et populaire qui ont pris cette décision. Ce n'est pas une décision du directoire, c'est une décision de l'ensemble de l'organisation. Nous avons dit, population, nous pas intéressés, nous pas aucune folie, mettez mon président à tout prix, nous pas aucune folie, mettez mon premier ministre à tout prix. Pour nous, seules les revendications de la population sont fondamentales, tout le reste est détail. Et n'a pas signé un accord politique ça, parce que nous te promettons diaspora, secteur démocratique là, te promettons diaspora, que la bataille, pour que notre conseil électoral qui pourra le faire là, il y a un représentant là-dedans. Comme dans l'accord ça, il est clair, il y a un représentant pour la diaspora dans la formation du CEP, nous signons un accord politique là. N'a pas signé un accord politique ça, parce que nous te dit, jamais, au grand jamais, nous ne laissons de côté les revendications de celles et ceux qui étaient dans les rues avec nous. N'a pas signé un accord politique ça, parce que dans l'accord politique ça, il dit très clairement, procès Petro-Caribé, procès massacre La Saline, massacre Belé, massacre Delma 32, dossier ça, il a avancé, il n'a pas campé. N'a pas signé un accord politique ça, parce qu'il dit très clairement, le dossier de l'assassinat du bâtonnier d'Orval, nous ferons avancer ce dossier. Nous signons un accord politique ça, parce que nous dit, un dossier comme le dossier Petro-Caribé, d'autres crimes financiers qui ont été perpétrés dans ce pays pendant les 20 dernières années, c'est IRH Dermalog, c'est des dossiers importants, on ne saurait faire taire ces dossiers. N'a pas signé un accord politique ça, parce que le dossier ça est là-dedans. N'a pas signé un accord politique ça, parce que nous dit, population, il faut un gouvernement de consensus. Et dans cet accord, le Premier ministre et les signataires se sont engagés à mettre en place immédiatement, après la signature de cet accord, ce gouvernement de consensus. N'a pas signé un accord politique ça, parce que, on dit très clairement, n'a pas ça, il faut un engagement qui prend pour établir la sécurité et casser les gangs. Et nous même mettons en place dans l'accord une cellule anti-gang et anti-terroriste pour combattre le groupe criminel. Nous acceptons signer un accord politique ça. Voilà, maître André Michel, vraiment là, nous t'attendons là dans l'intervention, dans la résidence officielle PM, nan, qui c'est Musso, samedi 11 septembre, nan, côté maître André Michel, qui avance ensemble, région qui fait que, et yo même dans le démocratique populaire, si encore ça, nous t'attendons, yo, pas la peine pour que moi parler de yo, sauf que, et nous c'est gratimoun, nous sommes capables de comprendre maître André Michel, qui lui-même, et grand pile côté, le pesé, hein, le pesé, le mette, pis force dans sa labdi yo, en tout cas, mais seulement un petit rappel, nous songez, maître André Michel, dans cette vidéo qui était toujours dit, toute négociation mon affaire là, c'est avec M. Jean-Louis, Joseph M. Jean-Louis, et c'est avec Père Parisien. Bon, c'est nous qui comprenons ça, et puis bon, l'histoire, ça fait, mon toujours dit, créons l'histoire par une gomme. Mm-hmm. Que bagarre l'offre une fait? Il a toujours été comme ça, il n'y a pas facile. Non, surtout avec la technologie. On va au fait il y a 5 ans, 10 ans. Vous comprenez? Bon. En tout cas, et on a passé avec déclaration M. André Michel, toujours. M. André Michel, fait qu'on est dans encore ça, par le gouvernement bicéphale, c'est Premier ministre Ariel Henry qui a été pour mener bac payant pendant un petit bout de temps. Opposition qui n'a pas entendu lui sous choix président, qui la cause André Michel, qui la cause que vous-même, vous allez dans le gouvernement monocéphale. M. André Michel, l'autre fois. Seule concession qui fait, c'est à propos de bicéphale, monocéphale. Nous te souhaitons un gouvernement exécutif bicéphale. Nous avons un côté, c'est parce que Blanc a parlé. Les acteurs politiques et de la société civile. Tout le monde a tellement besoin de président, nous n'avons pas qu'arriver à faire consensus pour nous choisir un président. Ce n'est pas la faute à la communauté internationale s'il n'y a pas de président. C'est parce que nous n'avons pas capable de faire consensus pour nous choisir président. Et comme en politique, faire un compromis n'est pas synonyme de faiblesse, faire un compromis n'est pas synonyme d'absence de conviction, nous fait concession, hein? Nous dit, en attendant le rétablissement de la présidence, eh bien bon, le conseil des ministres, sous la direction du Premier ministre, exercera le pouvoir exécutif. Nous signons un accord politique ça, parce que toute revendication populaire, population la donne, même si nous fait quelques rares concessions. C'est l'histoire qui jugera les actes posés par les hommes et femmes politiques. Il
Nous avons toujours été sur le dossier à COSA, le secrétaire général de la partie Fusion Socio-Démocratio, qui c'est Rosemont Pradel qui signe à COSA. Nous avons dit pour la Fusion, mais il fait qu'on est à COSA, c'est pour ne pas faire une reconstruction pays d'Haïti. Secrétaire général Fusion, ouais, à COSA, c'est un acte qui est important pour permettre tout Haïtien vivre bien dans le pays à côté de jeunesse pour jeunes, l'espoir dans le pays d'Haïti. Rosemont Pradel, dans le micro, Alex Gauthier. Nous-mêmes, représentants de la DIOPOD et représentants de la fusion des sociodémocrates, on dit que c'est un honneur et c'est une opportunité qui est présentée là, côté que plusieurs groupes politiques, pas contre combien, parce que ça fait plusieurs groupes politiques, qui mettaient ensemble pour la première fois pour nous joindre un accord politique. Accord politique, ça, pour nous, c'est un départ, c'est-à-dire son premier pas vers ça que nous toujours appelons un projet national pour le pays d'Haïti. Plus de 200 ans d'indépendance, nous constatons que le pays a retrouvé dans une situation extrêmement difficile qui fait la pitié, qui est appelée la pitié, en quelque sorte, de l'international, du pays et de tout secteur en le pays. Plus de 200 ans d'indépendance, nous pas arrivé à construire Santa Cabrelli, un réel projet national, côté que nous-mêmes, Haïtiens et Haïtiennes, nous t'a vivre mieux en un pays. Je veux dire, Haïti se retrouve dans une situation de pitié, côté que tout le monde, depuis au palais de Haïti, eh bien c'est la pitié, c'est la destruction, c'est Santa Cabrelli, l'échec total. Échec, je veux dire, c'est l'échec de toutes les élites de ce pays. Le pays d'Haïti pas marché pour arriver côté lié là. C'est nous-mêmes élites qui prennent des décisions en un pays, qui mènent le côté lié là. C'est pour cette raison, vous pensez que à cause ça, c'est un acte vraiment important que nous avons posé là, côté que nous poser les premières pierres pour nous reconstruire en quelque sorte pays ça qui est Haïti à côté que nous dit en fond pays, en ensemble, nous met tout effort nous, toute force nous ensemble pour nous construire un pays côté tout haïtienne, tout haïtien qui vive bien, côté que tout haïtienne, pas décider, je dis à si porte là te ouvrir pour nous quitter pays. Côté que le désespoir est campé en un pays ça, c'est le désespoir qui frappe toute jeunesse pays. Donc, je dis à la son pas considérable que nous faisons une date très importante. Qui 11 septembre qui t'a frappé les États-Unis. Voilà, son date historique vraiment 11 septembre qui t'a frappé les États-Unis, mais 11 septembre 1988, on a changé ça à l'histoire. À l'époque, Jean-Bertrand Aristide comme père qui n'a question l'église Saint-Jean-Bosco et 11 septembre.